Et bonjour à tout le monde. On se retrouve enfin pour mon 95e Shiny. Alors nous sommes le 9 juillet 2013. Hier débutait le concours de Phoenix, la ISHC. Et j'ai commencé à chasser hier soir déjà. Et j'avais pas mal de recherches, j'en ai eu 5 ou 6. Et j'avais déjà fait beaucoup de chiffres sur le mois de mai, sur le mois de juin. Donc en fait, là, on se retrouve déjà devant un coquille en shiny. Ma réaction était totalement pourrie. Donc pour mémoire, il y a 3 quarts d'heure à peu près, il y a Romain qui a trouvé Ratata Shiny. Déjà bravo à lui, parce que c'est son premier shiny de la compat. Franchement, je pensais pas trouver ce soir, puisque lui avait trouvé. C'est un peu surprenant, même si le chiffre est quand même conséquent, c'est le 8298e. Je suis sur ma version Saphir, je suis dans les fonds marins, et je faisais la recherche avec Doux Parfum, je vous montrerai après. Bon, là ça fait un petit moment quand même que je suis devant le Cookie Perm, donc je vais le capturer assez rapidement. Donc c'est mon premier point pour la compétition, donc je suis très 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 contente. Après on continuera la suite. Allez, c'est parti. Alors, j'ai réfléchi un petit peu à la bolle dans laquelle je vais le capturer. Parce que les évolutions de Cookie Perm Shiny sont un petit peu jaune orangé. Et donc, qu'est-ce que j'ai d'autre? Franchement, j'ai rien d'intéressant. Il y a la Big Bone qui serait pas mal, mais le problème c'est que. Même pour Rose Abyss, je crois que sinon, je sais pas, j'en ai qu'une. Pour Serpent, ça irait pas mal aussi. Alors, je vais tenter la Bisball, et si ça marche pas, je pense que j'attaquerai les 3 Honor Ball. Ouais, allez, c'est parti. Alors, ma réaction était vraiment très bizarre, parce qu'en fait, j'ai loupé l'apparition, et quand je l'ai vu, j'ai failli appuyer sur A. Bon, il rentre pas dans la Bisball, tant pis. J'ai failli appuyer sur A, et là, j'ai tiqué sur le violet de la coquille, et j'ai dit « Coquille Perle Shiny !» Et après, j'ai dit « Enfin, je crois !» Parce que j'avais dit tellement rapidement que, du coup, j'étais un peu perdue. J'espère quand même qu'il va rentrer dans une Honor Ball. Après, je ne sais pas dans quel bol le capturer. Bon, lui, il est piégé. J'ai pas d'attaque. Non. On va pas s'y risquer. Bon, c'est pas grave. Au pire, j'ai des hyper bols. Ce qui serait pas mal non plus. Allez, c'est pas grave. On continue de lancer des bols. Donc, si je me trompe pas, ça sera notre 5e point pour la compétition. Vu que Clément avait bien démarré avec ses hyper, ensuite Julien nous a trouvé 2 shiny hier, Romain Ratata et puis donc Cookie Perm maintenant. Donc c'est bien, on est plutôt bien lancé. C'est sympa. Étant donné le peu de temps de chasse que j'ai, puisque le travail peut me prendre toute la journée, donc c'est plutôt intéressant de tomber rapidement sur un shiny. En plus, Cookie Perm, c'était pas cible. Donc ça c'est vraiment cool aussi. Alors j'ai plus d'Honor Ball. Donc on va attaquer les hyperboles. Allez. Je crois que j'ai rien pour le séduire en plus. Donc j'espère qu'il va rentrer. Yes, il est rentré dans les hyperboles. Ah, c'est cool. Alors je vais pas le renommer maintenant parce que faut que je regarde si j'avais prévu quelque chose pour lui. Enfin pour Serpent ou pour Rose Abyss, faut que je regarde dans quoi je vais faire évoluer d'abord. Ah oui, quand on voit le coup hyper normal, c'est vraiment bizarre. Là, on voit pas grand chose, parce que déjà c'est pas très bien cadré, et puis, je suis sur GBA, donc c'est pas terrible au niveau qualité. Mais bon, on va voir la transition quand même, donc c'est cool. Je n'avais pas capturé de coup hyper. Donc, coup hyper grandit protégé par sa coquille dure comme de la pierre. Lorsque son corps devient trop grand pour sa coquille, cela signifie que ce Pokémon va bientôt évoluer. Donc, c'est parti pour la transition.
vraiment trop trop beau. Je pense que sur 4G, sur 5G, il va être encore plus beau. Alors le surnom, ben, on a dit que non. On va réfléchir. On va... Ah, je vais juste transporter au PC. C'est-à-dire que je ne l'ai pas sur moi. Hop, pardon, excusez-moi. Hop, j'ai sauvegardé. Voilà, donc ben, on va aller au PC. Je vais juste vous montrer, puisque je suis là, le style de recherche que c'est avec Doux Parfums. C'est tout con en fait. J'ai un petit mystère de KO en tête d'équipe. KO parce que en fait il est assez faible en niveau, donc il n'arrivait pas à fuir devant les Pokémon. Donc je l'ai mis KO. Et je fais comme ça, voilà. Toc. Et ça fait un gant direct, donc ça ne vous prend pas beaucoup de temps. C'est comme ça que j'étais retombée sur un Goélise hasard l'année dernière à la SHTC. Voilà le copier normal. Hop. On va faire une ou deux rencontres encore. Ouais, c'est une recherche assez cool. J'aurais pu tomber sur Lupio et Relicane, qui sont les deux autres Pokémon de la zone. Mais en sachant que Coquipère est quand même plus haut pourcentage. Hop. Et puis j'ai prévu de faire Lupio sur ma Soul Silver avec avec Kokias et Tentacruel, je crois. Donc c'est très bien que je sois tombé sur Coquipère. En plus on voit que des Coquipères, c'est cool, ils sont tous de sortie. Alors si on tombe sur autre chose quand même. Et après on va aller chercher le Coquipère dans la boîte du PC. Bon, il n'y a que des Coquipères, 100% de Coquipères. Voilà, c'est cool. Allez, on va sortir de là. Alors oui, parce que ça fait un petit moment quand même que je suis là et fin de rester dans l'eau comme ça. Parce que de nager, ça donne faim, soif, ça. Donc, alors on va aller là où on peut pouvoir faire la rencontre après. Donc on va aller à Lavandia. En plus il y a la tempête parce qu'il y a Kyogre qui est libéré, donc voilà. Je suis le coquinou. Hop, on va chercher le coquiperle. Il est là. Ouh, il est tout coquinou. Et on va le mettre à la place de Grail. Donc déjà on va faire une petite rencontre avec le groupe qui parle. Je me dépêche, il me reste plus que 3 minutes de vidéo à peu près. Coquipan est là. Ah non, on va faire comme ça. Tac. Voilà, et on va aller là-dedans, c'est la fête. Et on va faire Doux Parfum à cet endroit-là. Et on va voir le Coquipan en chaîne apparaître. Ouh, il est tout coquinou. Oh, il est tout coquinou. Il est vraiment trop beau. J'essaie de passer, là je vais peut-être laisser la vidéo défiler parce que j'aurai pas le temps de passer sur DS Lite, il reste que 2 minutes, même pas de vidéo. Donc je vais faire à nouveau une rencontre, vous montrer sa nature. Et puis je ferai un petit bonus avec le passage sur Lite. Quand on verra mieux le shiny quand même. Non, parce que là, un méchant reflet, c'est pas très beau. Voilà. Hop. Alors, sa nature. Il est... Oh mince. Je refais du parfum. Yes. C'est cool. Hop. Je me rends compte qu'on voit strictement rien avec la GBA, je sais pas pourquoi, mais non, c'est pas là. Alors, concentration, voilà. Et sa nature, il est. Alors, moi je dis P,
pudique. Il est prudent, il est cocarmé, et il est trop beau. Il est trop beau, regardez. Coquille perle shiny, 95e shiny. C'est un shiny magnifique. Je suis très content. Bon, ben voilà, je vais vous laisser sur ces images. Je vous mets direct le bonus sur Deathlight. Et puis, je vous souhaite bonne chance à tous. Plus particulièrement aux membres de la communauté du Lardon, c'est-à-dire Vadorskull, Clemessage, Aria et TK des Phoenix. Voilà. Voilà, et à bientôt. Ciao.